Et moi, c'est Jean-Marie Walleux, résident à Ngaoundéré depuis près de 19 ans à 20 ans. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui s'adonnent à des activités entreprenantes dans la ville de Ngaoundéré. Des instituts de beauté, des points de distribution, des structures de vente, des prêt-à-porter, pour ne citer que ceux-ci, voient le jour dans les coins et recoins de la ville. Hérité des parents, après de nombreux échecs aux différents concours nationaux, passionnés ou obligés, à chacun ses raisons. J'ai essayé plusieurs concours, ça n'a pas abouti, ce qui fait que directement je suis entré dans le commerce et spécialité dans la vente des vêtements féminins, comme vous le constatez. Eh bien, j'ai choisi d'entreprendre par choix et par obligation. Par choix, pourquoi ? Parce que depuis la classe de 3e, pour ceux qui me connaissent, j'ai commencé à entreprendre assez vite avec les stages de vacances tous les mois. Et par obligation, parce que je me suis rendu compte que nous, tous les jeunes, ne peuvent pas faire partie de la fonction publique. Comme toute autre activité, l'entrepreneuriat dans la ville de Ngaoundéré est semé d'embûches. Il n'y a pas assez de marché, mais je suis obligé de payer les impôts, payer le loyer, ce qui fait que ce qu'on gagne mensuellement, ça ne permet pas facilement de joindre les deux bouts, mais on est obligé de le faire. Puisque j'ai décidé de faire dans ça, que d'aller monter, descendre ou bien aller en aventure en Europe. C'est difficile d'obtenir une main d'œuvre compétente et qualifiée. Et quand bien même vous obtenez des personnes qui ont la passion d'apprendre, de travailler, vous les formez. Après 2-3 mois, on ne sait pas trop ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est sont des problèmes liés par rapport à la ville de Ngaoundéré ou si c'est partout ailleurs dans le Cameroun. Mais bon, elle se retrouve emportée par la facilité. Donc c'est le seul problème que je rencontre au quotidien. Difficultés d'ordre administratif ou social, la ville de Ngaoundéré reste toutefois une zone d'opportunité ouverte à l'entrepreneuriat.